monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore une fois de plus pour partager nos expériences personnelles, pour donner des encouragements, pour motiver quelqu'un encore aujourd'hui. Et le sujet dont je voulais parler, c'est j'ai rencontré un ange. Audrey, tu as rencontré un ange. Est-ce que les anges même existent? Si. Moi, je crois que les anges existent. Amen. Pourquoi? Parce que justement, je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle encore. Donc, on est dans la crise post-électorale en 2011. Donc, moi, je vis une situation qui est vraiment difficile pour moi. Alors, mon papa est en prison. Mon âme est abattue. Je souffre intérieurement parce que j'ai pas de nouvelles. Je souffre intérieurement parce que je pense à ma mère qui est seule là-bas. Moi, je suis avec mon petit frère qui est au Canada. Moi, je suis aux États-Unis. Ma soeur aussi est là-bas. Mais je dis, dans ce genre de situation-là, tu ne reçois pas forcément d'aide venant des oncles, des tantes, cousins, cousines et consorts. C'est ta vie seule face à ton destin et ta famille immédiate. Vous comprenez? Donc, je pense, on était en juin. Et à cette période-là, je n'avais pas encore de voiture, donc j'utilisais le bus pour me déplacer, j'utilisais le bus pour partir à l'école. Donc ce jour-là, j'avais un examen. Donc parce que j'avais pris les classes d'été, j'avais un examen en fait vers 16 h pour ma classe de finance. Donc je prends mon bus et j'avais ma Bible en main. Je lui dis, j'avais ma Bible désespérée, désemparée, tu t'en vas à l'école, mais tu sais même pas même ce que tu t'en as écrit là-bas parce que vraiment. Tout ce que tu apprends rentre dans une oreille et sort de l'autre. Donc, je suis dans le bus et on s'arrête à un stop. Et il y a une dame qui monte. Moi, mon regard est tourné vers la vitre et tout ça. Et il y a une dame qui monte. Elle a porté un tricot blanc et une jupe, comme les jupes des bohémiennes, les jupes paysannes blanches. Et quand elle est montée, il y avait une place vide à côté de moi. Elle est venue s'asseoir. Et j'avais ma Bible, en fait, sur les pieds. Et elle parlait même pas bien l'anglais. Je pense qu'elle était éthiopienne, quelque chose comme ça. Et elle a vu ma Bible, elle m'a regardée. Donc bon, moi, je continue à lire ma chose. Elle a pris, elle même pas dit bonjour ou quoi que ce soit. Elle a pris ma Bible, elle a tourné au psaume 119. Elle dit read it, c'est-à-dire lis ça. Le prochain stop, la femme descend. Donc elle m'a dit read it. Je dis ok, thank you. Mais je lui dis ok, y a pas de problème. Donc je commençais à lire le psaume 119. Je commençais à lire le psaume 119. Et c'est un psaume qui est vraiment long. Donc, je commençais à lire le psaume 119. Je commençais à lire le psaume 119. Et ça me parlait spécifiquement. Ça me disait que quand tu es fidèle à Dieu, Dieu te montre la voie à suivre. Amen. Donc, je lisais, je lisais. Je suis arrivé à mon stop. Donc, quand je suis arrivé à mon stop, en principe, je dois attendre encore le bus de l'école là pour m'envoyer à l'école. Mais tu peux marcher, ça peut te prendre peut-être entre 5 et 10 minutes comme ça de marche, si tu veux quitter du stop pour aller à l'école et tout ça. Donc ce jour-là, en étant en été, il faisait beau, tout ça. Donc j'ai dit, bon, ok, je veux marcher aujourd'hui, je ne veux pas prendre le bus et je vais continuer à lire le psaume 119 puisque, je veux dire, c'était long et puis j'avais envie de marcher. J'avais pas, ma tête n'était pas, comme on dit là, à prendre un autre bus pour aller quelque part. Et comme l'Esprit de Dieu est un, c'est lui qui te donne des instructions. Amen. Donc j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher. Et j'étais presque arrivé à l'école. J'étais au feu. Quand j'ai reçu un message, en fait, de mon père qui venait de m'envoyer, on vient de me libérer. Amen. Je suis tombé là à plat. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon cou. Je dis, Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est cette femme-là que tu as envoyée vers moi en fait me donner de l'assurance. C'est cette femme-là que tu as envoyée vers moi pour me donner des directives, pour m'envoyer une bonne nouvelle en fait. Parce que quand je sortais de ma maison et que je venais à l'école, Seigneur, je n'espérais pas entendre cette nouvelle-là. Je n'espérais pas entendre qu'on allait libérer mon papa aujourd'hui. Amen. Donc j'étais rempli de larmes là, donc j'arrive en classe, l'examen va tout de suite commencer et mon professeur de finance, en fait c'était une Camerounaise. Mais je pense qu'au Cameroun il y a deux parties, il y a ceux qui parlent anglais et il y a ceux qui parlent le français courant. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit, Are you alright? Je veux dire, est-ce que tu es ok? Est-ce que ça va? Donc automatiquement, j'ai commencé à pleurer encore. Elle me dit, ok, viens, viens, viens dans mon bureau et tout ça. Donc on va dans son bureau, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis non. Je suis désolée, madame, je peux faire l'examen, il n'y a pas de problème. Elle dit non, pas dans cet état-là. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué. Je lui ai dit non, on avait arrêté mon papa en fait dans la crise post-électorale et tout ça. Vous savez, il y a eu tellement d'animosité dans cette crise-là.
Vous avez vu certaines images, par exemple, où on tente de frapper le père de certaines personnes. Il y avait du sang. Donc, on te dit ton papa en prison, tu t'imagines beaucoup de choses. Tu ne sais pas exactement ce qu'on lui a fait. Tu sais pas si on l'a frappé, tu sais pas si on l'a humilié. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui passent dans ton esprit. Parce que là, en ce moment aussi, le diable utilise justement ces périodes-là pour te drain out. Drain out, ça veut dire quoi? Pour finir toute ton énergie, pour te faire perdre espoir en Dieu et perdre espoir en tout ce que justement tu crois. Amen. Donc c'est comme ça que mon professeur me dit, écoute, je regarde la situation de la Côte d'Ivoire tous les jours et j'ai mal au cœur de ce qui se passe dans votre pays. Tu sais quoi? Prends ton examen, va avec ça à la maison, finis ce que tu as envie de faire là-bas et peu importe ce que tu vas me donner comme résultat ce soir, dis-toi que déjà tu passes la classe. Je lui ai dit, je lui ai dit, non, madame, je peux rester, il n'y a pas de problème, je peux faire le. Elle dit, je lui ai dit, va à la maison et envoie-moi ton examen le soir tranquillement. Va avec ta famille, va rejoice. Va avec ta famille, va parler avec tes parents, va parler avec ton père qui vient de sortir, tout ça. Et donc, moi, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, si tu regardes dans la Bible, amen, quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle devait faire un enfant, elle ne me croyait pas. Amen. Vous allez lire encore dans Juges. Juge 13, amen. La Bible dit qu'il y a un ange qui est venu voir la femme de Manoa, qui est la mère de Samson, pour lui annoncer une bonne nouvelle, pour lui annoncer que tu vas avoir un fils. Pourtant, cette dame était stérile, hein. Donc, je suis venu dire aussi à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui va venir t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a un ange qui va venir te donner des directives. Amen. Je ne sais ni quand, ni le jour, ni l'heure. Mais une seule chose, je sais que ce que Dieu a fait dans moi, ma vie, il pourra aussi le faire pour toi. Que tu sois béni cette semaine-là. Et comme je dis encore, garde la foi en tout temps et en tout lieu. Soyez béni.